Bien. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir et de présenter Christophe. Christophe, pour les personnes qui ne le connaissent pas, Zurbiarnaki est professeur de mathématiques à l'Université de Lille et il est actuellement directeur de recherche à l'INRIA, au Centre Lille-Europe. Christophe a été auparavant responsable de l'équipe Probastat au labo Paul Panlevé, au labo de maths Paul Panlevé, où il a été également directeur adjoint. Et ensuite, il a été délégué scientifique du centre INRIA de Lille. Et il a aussi fondé l'équipe projet INRIA Modal en 2010, si je ne me trompe pas, où il a été responsable depuis pour plus d'une dizaine d'années. L'équipe modale, elle est centrée sur les modèles pour l'apprentissage et l'analyse de données. Et récemment, Christophe, donc, il occupe la responsabilité scientifique en étant directeur scientifique adjoint au niveau national de INRIA. Peut-être, si je ne me trompe pas, plus particulièrement en charge des aspects mathématiques appliquées, calculs et simulations. Et pour ses activités de recherche, Christophe, il est spécialiste de l'apprentissage statistique et il adresse pas mal de facettes dans ce domaine qui est assez large et il traite de problèmes divers et variés, et ce que je trouve aussi très intéressant du point de vue de Systemix, c'est qu'il a à la fois cette proximité-là avec les applications et les défis du monde réel qu'on trouve pour Systemix auprès des entreprises, mais bien sûr avec un regard particulier sur la dimension théorique et méthodologique. Et de ce point de vue-là, je trouve ces activités tout à fait intéressantes pour nous. Et aujourd'hui, je suis très content qu'il ait pu nous accorder du temps. Je te remercie encore, Christophe. J'imagine bien que ton agenda, il doit être très, très, très chargé. Christophe, oui, je l'ai pas encore dit peut-être, mais il rend beaucoup de services hein, à la communauté académique sur diverses à divers ni niveaux au niveau national notamment, que ce soit au CNU, à la CRS, à l'INRIA pour les comités de sélection etc. Et donc on peut dire que c'est quelqu'un qui a à la fois un regard très précis sur la dimension scientifique, mais un regard très aussi structurelle sur la dimension académique au sens large. Peut-être mentionner quelques points qui, en tout cas, que moi personnellement, je trouve tout particulier. Pour en mentionner que quelques-uns, les résultats qui ont un écho très particulier dans les travaux de Christophe. Je pense qu'on peut citer ses travaux sur les mélanges de lois et les algorithmes M, espérance maximisation, avec à la fois les aspects initialisation, inférence, et aussi la question de la sélection de modèles, en particulier le critère ICL, le critère de la vraisemblance intégrée et classifiante. Qui en tout cas dans la communauté ont eu un écho tout particulier. Et il a aussi cet intérêt-là que je trouve très très pertinent, à savoir valoriser les activités qui ont plus une orientation théorique méthodologique en développant des outils logiciels. Je peux citer par exemple Mixmod qui est dispo hein, en open source, un logiciel de modélisation, d'estimation et d'inférence et de sélection de modèles pour les mélanges de lois. Mais je sais que tu as aussi contribué à la plateforme Massic, qui est, je pense, plutôt hébergée par INRIA.
Et dans ces activités-là, il porte un intérêt particulier aux problèmes qui proviennent de l'entreprise. Hein. Bien sûr, au-delà des thèses chiffres, il a pu mener des projets en partenariat direct avec des entreprises. Et je pense qu'aujourd'hui, il pourra nous apporter sur ce qu'il va nous présenter, un regard à la fois académique, scientifique, mais également ce qu'on peut, nous, dans Systemix, rencontrer dans notre vie au quotidien, à savoir le fait d'essayer d'adresser des problèmes réels que les entreprises nous exposent. Et donc, je crois que ton talk, il tourne autour des données massives avec du clustering frugal. Donc, je m'arrêterai là et je te laisserai la parole. Donc, voilà, encore merci beaucoup et puis voilà, au plaisir de t'écouter, Christophe. D'accord. Merci pour l'introduction, Faisal, et puis merci pour l'invitation. Bonjour à tous. On va parler de classification supervisée avec des ressources informatiques limitées, c'est le mot frugal, et on va rechercher des toutes petites classes, ce qui est un défi important en clustering, hein, puisque c'est souvent les classes les plus importantes du point de vue du sens. Voilà. Donc l'étudiant, c'était Filippo Antonazzo, et puis Christine Kéribin, que certainement vous connaissez, qui est enseignante chercheuse à Orsay. Voilà. Alors je me propose de faire un petit rappel sur le clustering avant, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'exposé, dans le sens où l'exposé est beaucoup plus avancé par rapport à ça, mais je donne les bases, et comme ça vous verrez la différence par rapport à l'avancée dans la thèse. Hein, voilà. Donc la classification, donc là je reprends à zéro et rapidement bien sûr. Hein. Vous avez un jeu de données qui est ici sur la gauche, hein, et on veut fabriquer des classes. Alors on dit de manière non supervisée, c'est-à-dire qu'on va chercher des structures. Donc ici, vous avez trois classes qui sont représentées par les trois couleurs et qui représentent. Alors après, il faut pouvoir interpréter, et c'est là que c'est intéressant parce qu'on va comprendre un jeu de données qui peut être un petit peu compliqué, on va dire, puisque beaucoup de données peut-être dans des espaces un peu complexe aussi, hein, on ne comprend pas toujours quand il y a des dimensions, peut-être parfois plusieurs dimensions, hein, s'il n'y en a que deux, eh bien on va trouver des classes auxquelles on va donner un sens. Donc ici, on va reconnaître trois niveaux de revenus. On n'avait pas cette information au départ. Alors, est-ce que c'est important le clustering pour le monde applicatif, hein, parce que c'est ça qui nous intéresse le plus ici. Alors, j'ai tout à l'heure, en préparant mon exposé, j'ai été regarder dans le petit compte-rendu que fait chaque année Rexer Analytics, donc celui de 2018, parce qu'ils ont encore publié les autres années, hein, mais voilà, donc celui de 2018, qui indique quels sont les algorithmes qui sont les plus utilisés dans le monde de la data science, hein, au niveau industriel. Et ce que l'on voit, ce que je vous ai mis avec la petite flèche, c'est que le cluster analysis, hein, le clustering, la classification non supervisée, c'est le troisième, alors ce n'est pas une seule méthode, c'est un ensemble de méthodes, un ensemble de méthodes qui sont les plus utilisées, troisième position, et bien placée, quoi, hein, par rapport à l'ensemble des techniques utilisées en data science. Donc ça peut faire sens de s'y intéresser. Alors on va regarder un peu plus pourquoi après. Alors ça c'est la méthode générale. Si on regarde maintenant les méthodes particulières, si on veut faire de la classification non supervisée, donc découvrir de l'information, les techniques peut-être que vous avez en tête, parce que ça devient très 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 standard, hein, c'est les k-means ou centres mobiles, hein, ou la classification hiérarchique. Hein. Et si on regarde sur Google, la fréquence relative des deux et absolue aussi, eh bien, on voit que c'est surtout les k-means qui prédominent. Et il n'y a pas vraiment de. C'est assez stable dans le temps, quoi. C'est quelque chose qui est toujours à la mode. Or, c'est très corrélé finalement à mon transparent d'avant, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est fort utilisé. Et donc, plutôt les k-means que la classification hiérarchique. Alors, ça va être intéressant pour nous, parce que je vais vous amener tout doucement, hein, vers autre chose que les k-means, hein, qui est une modélisation probabiliste, hein, qui a certains intérêts que je vous montre dès maintenant.
Donc, je suis toujours dans ma petite introduction très, très générale. Hein. On n'est pas encore sur le travail de Philippot. Ce sont les modèles de mélange. Alors, ce sont les modèles de mélange, c'est une interprétation et une extension probabiliste des Kamins. Alors, c'est l'occasion d'introduire quelques notations. Bon, à gauche, vous avez les données que l'on veut classifier, donc on veut trouver des classes. Ces données, j'en ai n, x1 à xn. x1, c'est la première donnée. Vous avez des composantes, ici, il y en a deux à l'écran. X, c'est l'ensemble des individus. Et on va aller vers la droite, le clustering, où on va avoir un nombre grand K de classes. Et là, il y a un K chapeau. Pourquoi? Parce qu'on va estimer. Donc, on est en statistique, on va estimer K, le nombre de classes. Ici, vous en voyez 3. Et puis, on va estimer quelle classe aussi. Pas seulement le nombre, mais quelle classe. Et là, c'est les Z. Donc, Z1, c'est la classe de l'individu numéro 1, X1, donc hein, Z1, la classe. Et on peut avoir son numéro en tête. Hein. Et il y a un petit chapeau dessus, c'est pour dire, bah, comme je ne connais pas Z1, hein, parce que c'est la question du jour, hein, c'est le clustering, eh bien, je mets un petit chapeau dessus pour estimer, j'obtiens une estimation de la classe de l'individu numéro 1. Et je mets tout ça dans un ensemble que je vais appeler Z, et donc Z chapeau pour l'estimation. Alors, c'est quoi l'intérêt d'être au niveau probabiliste? C'est que vous allez pouvoir poser des questions de manière avec des réponses probabilistes, hein, donc avec une certaine rigueur ou au moins une aide à la rigueur. Le problème de classification devient bien posé. C'est ce que vous voyez en bas dans mon petit encadré. Ce qu'on appelle les modèles de mélange, c'est la petite formule qui est à gauche. La probabilité de x sachant k point virgule theta, qu'est-ce que ça signifie? C'est ben, la loi de probabilité d'un individu x qui va se décomposer en, vous voyez, une somme, k égale à un grand k, où vous avez des composantes. C'est-à-dire que chaque classe est représentée par une loi de probabilité. Dire qu'un individu provient d'une classe petit k est équivalent, et c'est ça tout l'intérêt de ce paradigme des modèles de mélange, c'est équivalent à dire que cet individu provient, au sens tirage aléatoire, d'une loi petit k, de proportion pi k et de loi de probabilité p de x point virgule alpha k. Et quand vous avez fait ça, eh bien, vous avez bien posé la question du clustering et vous pouvez apporter des réponses aux questions classiques qui sont quelle partition, parce que gardons en tête que l'on veut la partition, on voit à droite, probabilité de la partition conditionnellement aux individus que j'ai vus, x, eh bien, j'obtiens un Z chapeau, en prenant par exemple ceux qui sont les plus probables. Et puis, je peux aussi poser des questions sur le nombre de classes, probabilité du nombre de classes, sachant les individus que j'ai vus, et j'obtiens un P chapeau. Voilà. Donc, vous voyez le paradigme, les Kamins, c'est très, très utile. Alors, le clustering est très utile, le Kamins, c'est très utilisé pour faire du clustering, et les modèles de mélange, bah, c'est des Kamins, mais réinterprétés, avec un intérêt théorique, puisqu'on peut être un peu plus rigoureux lorsque l'on pose des questions classiques comme la partition et le nombre de classes. Alors, vous ayez en tête, parce que moi, je vais travailler sur les mélanges gaussiens dans cet exposé, donc c'est peut-être pas mal, pour ceux qui connaissent moins bien, d'avoir en tête hein, ce que sont des mélanges gaussiens. À gauche, vous avez un modèle de mélange univarié, hein, à deux classes, donc vous voyez deux mélanges, enfin, deux gaussiennes, hein, puis après vous avez le mélange qui est la somme pondérée des deux. Complètement à droite, vous avez la même chose quand vous êtes en dimension 2. Les individus sont avec deux axes, donc vous voyez ici la chose. Quand vous êtes en dimension 3, les ellipsoïdes, du coup, hein, on représente les isoïdes. Diagonale, ça va être parce que nous on va travailler dans le cas diagonal dans l'exposé, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. On voit donc pour ceux qui connaissent, vous pouvez avoir cherché des sortes d'œufs, des œufs, des œufs. Christophe, ta connexion audio, elle est assez. Hein.
Céline, on ne t'entend pas très bien. Les paramètres. Ah, mais je ne peux rien y faire. si c'est le Wi-Fi qui n'est pas très bon, je ne peux rien y faire. Ouais, on t'entend des fois un mot sur deux. Là, tu nous entends, Christophe? Alors. Oui, là, c'est revenu, je pense. Sur le slide précédent, sur le vers la fin, et sinon, tu peux effectivement repartir du début de celui-là. Je demande peut-être, c'est ça? Oui. Alors là, on voit deux slides. Est-ce que tu veux bien en mettre un sur l'écran? Ouais, d'accord. OK. Oui, c'est celui-là. Tu illustrais, tu avais, je crois, ça c'est, on perdait le son au niveau, tu parlais d'œuf. D'accord. Voilà, donc gardez en tête que ce qu'on va rechercher comme classe, des ellipsoïdes, un petit peu à ces formes-là. Donc, quand on fait des hypothèses gaussiennes, oui. C'est-à-dire que quand on utilise ce qui sont disponibles pour tout le monde sur des plateformes classiques, ces hypothèses qu'il y a derrière, on vous les annonce, quoi. Voilà. Donc, c'est pas considéré restrictif. Au contraire, on indique clairement les pas me dire quand il y a un petit souci de connexion parce que je ne me rends pas compte. Et du coup, ce serait dommage de profiler. Et c'est assez désagréable, j'imagine, pour vous, s'il y a des problèmes. Non, là, c'est revenu. Comme ça, c'est bon. Le si, son, c'est le pire, hein, pour, oui, là, c'est, mauvais, c'est bon. Hein. Oh, oui, là, c'est bon. Si tu peux maintenir ta configuration spatiale, si je peux dire, ce serait super. Alors, ce que l'on fait dans les modèles de mélange, il faut estimer les paramètres des lois de probabilité hein, du mélange et vous dire comment on succincte. On ne va pas rentrer dans la technique de cette introduction. Hein. Il faut un modèle de mélange à un moment. Donc les paramètres. Hein. Il y a des variances, si on est en dimension plus que 1, c'est des moyennes. De variance covariance et tout ça dans θ et donc on va fabriquer un θ chapeau, d'accord, on va voir comment on fait et une fois qu'on a qui parle en fait hein, estimer un paramètre, c'est le travail du statisticien et une fois qu'on a ça et eh bien l'étape suivante c'est de dire mais moi je suis pas et donc là on va calculer les probabilités conditionnelles d'appartenance aux classes que j'indiquais auparavant, qui se fait en utilisant le par. Donc, c'est là de l'étape 2. Et ensuite, l'étape 3, c'est d'affecter les individus aux classes les plus probables. Donc, en bas, vous avez le petit graphique, je pense, qui est pas mal au niveau du scénario. Vous avez les données à gauche. Au milieu, vous estimez une loi de proba. Donc, on n'est pas dans le clustering, hein, en gros. Et à droite, vous faites votre affectation. Des individus aux différentes composantes du mélange. Et enfin, vous avez votre clustering. D'accord? Voilà. Et c'est ce que font les Kamins sans le dire, en fait. Voyez. Alors, on va utiliser un algorithme EM en général pour faire ça. Et donc, moi, j'aurais aussi besoin d'un algorithme EM dans l'exposé principal. Alors, c'est quoi l'algorithme EM? Et je ne vais pas être technique non plus. Hein, donc, ce n'est pas du tout le but ici. C'est vraiment de vous mettre en tête. Soit de faire des rappels, soit de, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas très bien, pouvoir faire un rapprochement entre Kamins et puis EM, parce que c'est presque pareil, pas complètement, mais vraiment proche. Donc, il faut partir d'un point de départ, on n'y peut rien, quel que soit l'algorithme. Hein. Et ensuite, il y a des itérations, où là, on aura deux étapes. Donc, pour estimer le paramètre de mélange, on va maximiser ce qu'on appelle la log vraisemblance, et on utilise un algorithme EM. Donc, je vous ai écrit la log vraisemblance sur le bas.
Et je vous ai fait le petit sketch de l'algorithme M en haut, qui, à chaque itération, a deux étapes. Voilà. Et le dernier transparent de l'introduction de l'introduction, qui est juste un rappel, comme vous avez compris, c'est de vous montrer comment ça fonctionne. Donc, ce n'est pas du tout une vidéo, hein, c'est une capture d'écran, itération après itération. Les données sont en dimension 1. Donc ici, ce que vous voyez en haut à droite, alors peut-être que je peux faire ce genre de choses, je vais voir si j'arrive à... Non, je ne peux pas le présenter plus que ça, mais si je peux faire ça éventuellement, vous allez voir. Alors, si je fais ça, vous voyez, l'itération de départ, là, hein, vous voyez en pointillé le vrai paramètre, le vrai mélange. Souvenez-vous du mélange en dimension 1 que j'avais représenté tout à l'heure. Et puis, vous partez un peu n'importe comment, parce que vous ne connaissez pas la solution. Donc vous partez avec une loi de mélange qui est continue, là, enfin, qui est en trait continu. Et puis, bon, bah, elle est très loin de la solution, bien sûr. Et puis, vous avez des itérations. Donc, un algorithme, hein, vous avez des itérations. Et puis, quand vous arrivez à la fin, l'itération ici, 50, hein, la vraisemblance a monté. Si vous regardez L, qui est la vraisemblance entre au départ et à la fin, n'oubliez pas qu'il y a un petit signe moins devant, donc en fait, la montée, eh bien, vous voyez que les lignes pointillées, qui sont, pour mémoire, la vraie loi ici, hein, puisqu'on est dans un cas de simulation, et la loi continue, ben, c'est assez proche. Hein. Voilà. Le nombre de lois ici est de 2, visiblement. Il était fixé aussi dans la solution. Oui, là, il était fixé dans la solution. On ne l'a pas estimé. C'est juste une illustration, en fait. Voilà. Mais on peut également estimer ce nombre de lois, ce qui n'est pas le cas ici, puisque ici, c'est juste l'algorithme même. Mm-hmm. Voilà. Donc maintenant, petite introduction faite, juste pour mettre en tête. Le clustering est important dans les applications. 2, les K-means sont très utilisés pour faire du clustering. 3, ben en fait, les modèles de mélange, c'est du K-means, mais peu généralisé. Donc, on a compris beaucoup de choses et on peut faire plus. Voilà. C'est pour ça que je le mets dans les modèles de mélange. Voilà. Donc, on va commencer l'exposé au sens strict. Voilà, la motivation de ce travail de recherche, parce que là, maintenant, on passe au niveau recherche. Et ne vous inquiétez pas, je vais essayer de ne pas être trop technique. Hein. Ce n'est vraiment pas l'objectif, même s'il y a des formules par moment. Hein, voilà, peut-être que ça parlera à certains, c'est très bien dans ce cas-là, mais il ne faut pas décrocher spécialement parce qu'il y a des formules, hein, puisque je commenterai toujours. Ou je répondrai aux questions si vous pensez que ce n'est pas suffisant. Voilà, donc il faut se dire qu'on a un jeu de données qui est vraiment gros. Et en plus, dedans, on a des classes qui sont vraiment petites, pour certaines. Alors pourquoi ? Pourquoi c'est intéressant ? Donc le clustering, je pense qu'on est tous convaincus que c'est intéressant. Mais pourquoi c'est intéressant de regarder des gros jeux de données ? Et pourquoi certaines classes toutes petites ? Déjà, un gros jeu de données en nombre de lignes, nombre d'individus. Hein, d'accord ? On n'est pas en grande dimension là, ce n'est pas l'objectif du tout de l'exposer. Alors, d'avoir des gros jeux de données, on va dire que c'est... poser des problèmes dans certains cas, on va voir quel est l'intérêt aussi hein, de le faire, ça peut poser des problèmes, et je pense en particulier au niveau, on va dire, des utilisateurs, parce qu'ils se disent, je vais avoir des gros jeux de données, c'est bien, je vais avoir du clustering sur des gros jeux de données, on va en reparler, mais je ne peux pas. Je ne peux pas, parce que voilà, je suis limité par mes ressources, je suis obligé d'aller sur des gros calculateurs, etc. Bon. Dans un cadre de green computing, on se dit qu'on n'a pas envie d'utiliser autant de ressources pour faire du clustering. Ce n'est pas, tout l'objectif du monde de faire du clustering, bien entendu. Ça ne fait partie que des outils et des objectifs, des sous-objectifs qu'on a dans tout ce qu'on fait dans la vie. Donc, comment faire des choses beaucoup plus frugales ? Donc, on va regarder ça. Donc, ça, c'est la question ressources. Après, il y a la question pourquoi je ferais du clustering sur des gros jeux de données. Alors, on a des jeux de données qui sont de plus en plus gros, assez facilement, ça dépend des domaines, hein, ça dépend des domaines. Mais quand même, hein, surtout dès qu'on est sur Internet, voilà, on a beaucoup toutes les données qui arrivent de manière automatique. Et donc on a du volume, en nombre d'individus, et
on va avoir des petites classes qui vont apparaître. Alors, je dis pourquoi c'est automatique, des petites classes qui vont apparaître. Parce que les petites classes, enfin, si elles n'étaient pas petites, on les aurait déjà vues avec des jeux de données de dimension, on va dire, raisonnable. Petites, enfin, des dimensions, enfin, pas des gros jeux de données. Donc, dans les gros jeux de données, ce qu'on espère, c'est de voir des choses qu'on n'a jamais vues. Et donc, par définition, c'est qu'elles peuvent être que petites, ces classes-là. Sinon, on les aurait vues. Et c'est là que c'est fort intéressant, parce que c'est tout ce que vous avez de type anormal, en fait. Ça peut être, si vous voulez avoir des exemples, de la détection de fraude à la carte bancaire, de la reconnaissance de démarrage de cancer. Toutes les cellules ne sont pas cancéreuses, c'est tout petit au départ. Des appels frauduleux, donc tout ce qui est anomalie, en fait. Et c'est là que c'est fort intéressant. Voilà, donc ça pose un peu la question générale. Alors, quelles sont les approches? Donc là, on devrait être à peu près convaincu qu'il y a un intérêt minimum de s'intéresser à du clustering, des gros jeux de données, et derrière, en se disant, aïe, 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 il y a des toutes petites classes, mais c'est ça que je cherche, en fait. Voilà. Et je ne les connais pas, parce que c'est du non-supervisé. Alors, la classification non-supervisée, dont je n'ai pas parlé, mais bon, vous voyez ce que c'est, la classification non-supervisée, vous apprenez les chiens et les chats, puis vous essayez de reconnaître les chiens et les chats quand on vous les présente, d'accord ? Et on sait à peu près traiter les jeux de données avec des petites classes et des grosses classes. Ce n'est pas trop difficile, mais la classification supervisée, finalement, elle est moins en moins utilisée. Parce qu'il faut avoir fait ses labels des chiens et des chats. Et si on a des gros jeux de données, ben en fait, on ne pourra jamais labeller, voilà, tout simplement. Et puis en plus, c'est l'occasion de découvrir des choses qu'on n'a pas vues, les classes nouvelles. Voilà, donc les chiens, les chats, puis après, vous allez avoir... ...et vous ne saviez pas qu'il existait ces animaux-là, en gros. Alors, soyons en classification donc non supervisée, puisque même les classifications supervisées ont tendance à se transformer en classification non supervisée aujourd'hui, à cause des volumes de données qu'on ne peut pas labeller, donc, je répète. Voilà les deux techniques actuellement qui existent pour faire du clustering sur ces gros jeux de données. La première méthode, c'est du sous-échantillonnage. C'est-à-dire, vous avez un jeu de données de 10 millions d'individus et vous allez en tirer 10 000. Et là, qu'est-ce qui va bloquer par rapport à la détection de toutes petites classes? Eh bien, c'est que vous ne les verrez pas. Parce qu'il y a très peu de chances qu'en faisant un tirage de 10 000 individus, vous voyez une classe qui est représentée de 1 sur 1 million, par exemple. Vous ne verrez rien, en fait. Les petites classes, c'est perdu avec le sous-échantillonnage. Alors, pouvez-vous dire, oui, mais alors dans ce cas-là, j'ai une solution autre, qui n'est pas du sous-échantillonnage, c'est d'aller utiliser des grosses ressources informatiques. Alors oui, vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire des techniques distribuées, comme du MapReduce, mais dans ce cas-là, il faut aller vers ces grosses machines. Et donc, il y a une sorte de coût d'entrée, bon, qui peut être écologique, mais qui peut être aussi pécunier, technique, voilà, c'est pas accessible à toutes les entreprises, à tout, voilà, faut quand même certaines ressources, aussi bien de connaissances que de moyens en général, pour aller vers ça. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est la classification de gros jeux de données, où on cherche des classes petites, puisque, par définition, on les aurait vues avant, sinon, et avec des contraintes typiquement de mémoire, c'est ça qu'on va appeler frugal, typiquement de mémoire. Imaginez que pour certains jeux de données, ça ne tienne même pas en mémoire. En fait. Parce que nous, on pourra traiter des milliards, mais vraiment des milliards d'individus. Ce n'est pas juste pour faire l'annonce. Voilà, vous verrez un peu comment ça fonctionne, c'est tout à fait possible. Ça ne pose aucun problème à ce niveau-là. Alors, je peux donner un exemple. Parce que j'avais assisté il y a 2 semaines là, au lancement d'un PEPR qui s'appelle NumPex, peut-être que certains d'entre vous sont au courant, sur les machines exascale, c'est-à-dire les très très grosses machines à venir de calcul, donc on est dans le calcul haute performance, et en particulier une des applications, il y en a d'autres, mais il y a le SCA, qui est un gros projet d'astronomie, où ils ont tellement de données par jour qu'ils n'arrivent même pas à les traiter, ils ne font que les stocker. Vous voyez, donc ce problème existe déjà, ce n'est pas juste une question de chercheurs, en fait.
c'est que là, on ne sait déjà pas le faire. Les données arrivent trop vite au niveau des télescopes. Alors, je vous donne l'idée principale de ce travail de thèse, pour que vous ayez bien en tête comment on va faire pour passer à l'échelle, hein, faire du clustering sur des données très, très volumineuses, sans que ça coûte cher, ce qui est un peu paradoxal, bien sûr. À gauche, ce que vous avez à l'écran, c'est les données brutes. Alors, toujours en dimension 2, elles sont très nombreuses. Vous voyez, elles sont tellement les unes sur les autres que c'est tout noir au milieu. D'accord ? Et à droite, vous avez les mêmes données, mais réduites, au sens données binarisées. On dit biné, mais c'est en fait par intervalle en français, on dirait. Où on a fait des cases. On a fait une grille. Au sens d'une feuille de papier d'écolier classique. Hein, voilà. Et on oublie où sont les individus de gauche. Hein. D'ailleurs, vous voyez la grille à gauche, hein, la grille qui est rouge. Hein. Et maintenant, vous oubliez les individus noirs et vous comptez juste, dans chaque case rouge, le nombre d'individus qui tombent dedans. Et ça vous donne ce qui est à droite. Donc, plus c'est clair à droite, donc le bleu clair, par exemple, c'est que le comptage, le nombre d'individus, ben, il y a beaucoup d'individus, en fait. Hein, d'accord ? Et quand c'est foncé, il y en a moins, voire personne, quand il n'y a rien. Voilà. Donc, c'est ça l'idée qu'on va avoir. Qui n'est pas une idée nouvelle, quelque part, puisque ça ressemble beaucoup à des histogrammes. Hein. On a tous fait à un moment des histogrammes, si on a fait même un peu statistique descriptive. Mais c'est des choses qui sont de plus en plus à la mode, y compris pour les gens qui font de l'analyse numérique, pour rien avoir avec la stat, en EDO, en EDP, où ils vont faire ce qu'ils appellent de la précision réduite. Parce qu'on n'a pas besoin toujours d'avoir 64 bits sur un ordinateur, par exemple. Eh bien, il y a des machines à 8 bits, ça paraît bizarre, hein, mais il y a des machines à 8 bits qui sortent aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas toujours besoin d'avoir autant de précision, alors que les modèles sont déjà fous, etc. Et c'est un peu empêcher la course en avant des industriels, qui peuvent après faire s'emballer toute la machine d'utilisation qui ne sert à rien, en fait. Ça ne sert à rien, parfois oui, hein, mais parfois non. Voilà. Et donc là, on va voir que on peut obtenir des résultats tout à fait satisfaisants avec les données très, très réduites de droite. Donc, vous avez en tête un peu histogramme, grille, on fait que du comptage. Vous voyez que ça fait très, très peu d'informations, finalement, qu'on va garder. Alors, voilà les trois points que nous, on va aborder. Juste, pardon, Christophe, te couper. Est-ce que tu peux donner l'ordre du taux de réduction, si tu as ça en mémoire? Oui, 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 tout à fait. Le taux de réduction, bien sûr, il serait venu un petit peu après, mais je peux le dire là. Parce que ça, d'accord, ça, ouais, non, mais on peut c'est très bien parce que finalement, là, on le voit. Mm-hmm. À gauche, considérez que vous avez 1 milliard de données. Pourquoi pas, hein, donc figure petit A, d'accord ? Mm-hmm. Figure petit b, eh ben on va compter le nombre de cases qu'on a. Donc on a 5 cases, donc en abscisse et 5 en ordonnée, on a 25 cases. Donc il faut stocker les 25 cases. Parce qu'il faut stocker la grille hein, aussi, hein, bien sûr, mm-hmm. Et mm-hmm. ensuite, il faut stocker 25 comptages, mm-hmm. les valeurs. Donc vous êtes aux alentours de. Non, en fait, vous serez à 35. Voilà. 1 milliard à en termes de mémoire et B, 35. D'accord. C'est très faible, hein, très très faible. Hein. Vraiment, c'est beaucoup réduit. On va voir qu'on va perdre des choses. Hein, quoi. Mm-hmm. On va perdre beaucoup d'informations. Hein. C'est clair. Hein. Mais ayez en tête que l'astuce, parce que quelqu'un qui est un peu habitué à la statistique, même en général, même, il n'y a pas de repas gratuit, donc on va le perdre quelque part. Mais en fait, ce qui va nous sauver, c'est que le nombre de données est gigantesque à gauche. Et donc, cette information, en partie à cause de la grille, de données en termes de comptage, juste les comptages, qu'en fait, on se rattrape. Ça ne marcherait pas si on avait très peu de données à gauche. La quantité va nous aider par la précision des comptages à droite. Voilà. OK. Merci. Donc, c'est pour ça que je dis vraiment frugal. Hein. C'est la réduction, c'est le gros coup de marteau sur la tête. Hein. C'est vraiment très, très peu.
Alors, voilà les questions qui vont se poser, parce, enfin les problèmes même qui vont se poser. Hein. Ça va être encore trop de données de faire ça, et vous allez voir pourquoi. Et donc, ce qu'il va falloir faire, nous, c'est faire une version particulière de l'algorithme EM pour faire ce... Alors déjà, ça va être trop. Parce que là, je dis 35, mais en fait, vous allez voir que ça va être trop, parce que quand on augmente la dimension, on va retomber dans un nombre de données qui est important, même si on ne fait que des comptages. Alors, bien sûr, j'anticipe, mais vous allez voir que c'est en dimension 2, ça va, mais en dimension supérieure, ça ne va plus. Et vous allez voir pourquoi. Donc, 1, on va voir qu'on ne peut pas faire ça. 2, une fois qu'on sera passé à ce qu'on appelle une méthode marginale, c'est-à-dire qu'on va encore plus réduire les données que ce que je vous annonce, hein, eh bien, on va voir qu'un algorithme EM tout gentil, comme on a vu tout au départ en introduction, ne sera pas possible. Parce qu'on va avoir un nombre de calculs qui sera infaisable. Donc, il va falloir qu'on passe à un moment ce cap-là. Donc, je vous annonce juste qu'on aura ce problème. Hein. Et 3, pour optimiser... la vraisemblance, hein, parce que je n'avais pas de vraisemblance tout à l'heure, eh bien, il va falloir se restreindre pour des raisons d'identifiabilité à un modèle diagonal, modèle gaussien diagonal. On va se placer dans un cadre de modèle de mélange gaussien et on sera obligé de se ramener à un cadre diagonal. Voilà. Donc, voilà les différents verrous. À chaque fois, vous allez me voir rebondir en disant « alors là, ça bloque, alors voilà comment on va faire. » Voilà. Et, mais c'est comme l'idée de la grille qui va nous guider tout le temps, mais qui va nous poser des problèmes successifs, hein, jusqu'à avoir quelque chose qui fonctionne et qui a des garanties, au sens où on ne raconte pas n'importe quoi quand on fait de l'estimation, et qui soit calculable, hein, bien sûr. Voilà, alors je vous présente maintenant le modèle. Donc là, c'est le modèle de mélange que je vous rappelle. Donc GMM, c'est pour Gaussian Mixture Model. Model Based Clustering, ça veut dire c'est la classification avec les modèles de mélange, donc ce sera un mélange gaussien. Nous, on sera avec donc, des données qui seront continues, hein, puisqu'on utilise des mélanges gaussiens, on sera en dimension grand D, donc chaque individu est en dimension grand D. Donc là, j'en avais des exemples en dimension 2 ou 3, avant 1 d'ailleurs, dans certains cas, là, ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant. Grand K composant, ça n'a pas changé. Vous reconnaissez le modèle de mélange, sauf que là, c'est psi, c'est ce que j'avais appelé θ avant, puisque j'avais fait une petite introduction qui n'était pas complètement liée au travail de Philippot. Mais bon, globalement, vous reconnaissez le modèle de mélange gaussien que j'avais introduit tout à l'heure. Alors, maintenant, il faut introduire d'autres notations. C'est les données par intervalle. Alors, les données par intervalle... voici comment on va les noter. Il faut bien qu'on se fasse des notations à un moment. Donc, on a des données qui sont les XI, qui sont les données brutes, et on considère qu'elles sont tellement nombreuses qu'on ne peut pas les voir. Hein, d'accord ? On ne peut pas les voir, on ne peut pas les stocker, on ne peut pas travailler avec. Hein. On va les résumer par les intervalles dont je parlais, et ces intervalles, on a du comptage. Donc, on a grand B intervalle. Donc, tout à l'heure, on avait 25, hein, d'accord ? Donc là, on a grand B qui vaut 25. Et N1, c'est le nombre de données qui sont tombées dans la case numéro 1 de la grille. D'accord ? Et N gras, c'est l'ensemble des données de comptage. Voilà. Donc, nos nouvelles données, ce n'est plus X gras, c'est N gras. D'accord ? C'est données binées ou par intervalle. N gras. On n'a jamais accès à X, c'est ça qu'on considère. Hein, d'accord. Au fur et à mesure, on a transformé les X au fur et à mesure qu'ils arrivaient, parce qu'on ne peut pas les stocker, en N gras, et on ne voit rien d'autre. On ne verra jamais X. Voilà, donc après, c'est la définition qui est là, sur ce qu'on appelle les B et les NB. Donc ça, c'est juste la version math. Et ensuite, peut-on écrire une vraisemblance associé, alors pour ceux qui connaissent, quand on fait une vraisemblance, la vraisemblance, elle est associée aux données observées. Donc, les données qu'on a observées, c'est QX. Avant la vraisemblance, il y avait un X dedans, maintenant c'est terminé, on n'a plus le droit. Donc, c'est ce qu'on voit en bas, la formule du bas, P de N gras,
ben, c'est la loi associée aux données observées. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi la vraisemblance. La vraisemblance du paramètre, et vous voyez que par contre, le paramètre, on le garde, c'est psi, mais il n'a pas changé. Et oui. Alors, l'astuce, hein, c'est que grand B, le nombre de cases, est très, 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 très petit par rapport à N, le nombre de données initiales. Alors, je vous ai dit qu'on aurait des rebondissements, c'est-à-dire qu'on va avoir des problèmes à cause du nombre de dimensions. Ce n'est pas qu'on va être en grande dimension, hein, mais imaginez que vous soyez en dimension 3, 4, 5, c'est-à-dire chaque individu est mesuré par plusieurs variables, ce qui est absolument classique et on ne peut pas imaginer autre chose. Eh bien, est-ce que ce serait faisable, ce que l'on propose? Est-ce qu'on aurait résolu le problème de la compression de données? Est-ce qu'on aurait encore un nombre de... Enfin, est-ce qu'on aura encore très peu de données? Alors, ce que vous voyez en bas à droite, la figure, vous avez un nombre de dimensions qui augmente, 2, 3, 4, 5, hein, je pense que vous voyez. Et après, en ordonnée, vous avez le nombre de bins, hein, donc le nombre de cases, hein, donc, souvenez-vous des cases rouges, hein, non vides. Eh bien, le nombre de cases rouges non vides, alors vous avez plusieurs courbes, parce que chaque courbe représente la granularité de la grille. Donc, quand c'est noir, c'est que vous avez très peu de cases. Et puis, le bleu qui est tout en haut, c'est que vous avez 50 cases par axe. Eh bien, vous remarquez que dès que vous êtes en dimension 4 ou 5, vous retombez sur un nombre de données qui dépasse largement les 100 000. De cases non vides, hein, vraiment des cases non vides. Donc, ça veut dire que vous retombez avec un nombre petit n, les nouvelles données, hein, les comptages, eh ben, qui sont hyper nombreux. Et vous êtes obligé de les enregistrer parce que c'est non vide, en fait. La probabilité que ce soit non vide est très, très, très forte. Donc, vous aurez énormément de données, rien que par les comptages. Donc, premier rebondissement, je vous ai un peu mené en bateau avec ma grille. Quand on a des dimensions qui ne sont pas spécialement grandes, eh ben, en fait, j'aurai moins de données que peut-être plusieurs milliards, mais je vais rester avec des millions. Donc, ce n'est pas bon encore. Ce n'est pas ça que je souhaite avec la frugalité. Donc, on va faire autre chose. On va aller au bout des choses à ce niveau-là. C'est-à-dire on va réduire encore plus. Alors, ça va paraître bizarre parce qu'on va se dire comment est-ce qu'on va pouvoir retrouver des classes, quoi. Parce que là, on fait de la frugalité dans le titre de l'exposé. Ce n'est pas mentir, hein. C'est vraiment de la frugalité. Hein. En termes de mémoire, on ne va rien utiliser en mémoire, quasiment très, très peu. Hein. Et je pense que ça donne une petite idée, hein, pour prendre un peu de recul sur l'exposé, hein, sur la quantité d'informations et la quantité aussi de calcul que l'on gaspille en fait en général, puisqu'on voit, on va voir ici qu'on peut retrouver des informations assez complexes, hein, comme des classes toutes petites, avec beaucoup moins d'informations conservées. Hein. Donc ça montre bien ce paradigme. On est dans des habitudes en fait, hein, et que derrière, en réalité, on n'a pas besoin de tout ça dans certaines situations. Alors, regardez ce que je vais faire en supplément. Nous avons ici, de nouveau, vous reconnaissez la grille, hein, qui est au milieu là, de l'écran. En bleu, vous avez les points d'origine. Hein, donc là, ils ne sont pas nombreux, mais c'est pour l'exposé. Hein, c'est pour qu'on comprenne bien. Donc ça, c'est les données de départ, les données brutes. Et maintenant, on n'y a pas accès, bien sûr. Hein. Ensuite, vous reconnaissez la grille et vous voyez aussi des N... N1, N2, N3, N4, etc., jusqu'à N16, c'est les 16 cases. Hein. Et puis, ben ça, c'est la grille bivariée. Et je vous ai dit, non, quand on va augmenter la dimension, on ne pourra pas faire ça, en fait. Mais malgré tout, ça permet de rappeler ce qu'étaient les notations d'avant et ce que j'avais tenté de faire avant. Eh bien, on va faire encore plus réduit que ça. On va se souvenir uniquement des comptages sur la grille en abscisse et sur la grille en ordonnée. On va oublier tous les comptages de croisement. Alors, regardez en haut, vous voyez M11, je pense. Alors, je vais peut-être le faire apparaître. Hein. Je pense que vous voyez tous, mais voilà. Hein.
Je vais peut-être faire moins gros, mais voilà, vous le voyez, je pense. Vous pouvez que le voir. M11, ça représente quoi? Le nombre d'individus qui sont dans la case 1 en abscisse. Puis après, le nombre d'individus qui sont dans la case 2 en abscisse, dans la case 3, dans la case 4. Et moi, je ne me souviens que de ça. Et puis maintenant, en ordonnée, nombre d'individus qui sont dans la case 1 en ordonnée, la case 2, la case 3, la case 4. Alors, j'insiste un peu parce qu'il faut bien comprendre ce que je suis en train de faire. Je n'ai plus du tout accès à ces trucs-là. C'est fini. Les comptages croisés, c'est fini. Les données brutes aussi, que je mets ici avec des petits... C'est fini, je n'ai déjà pas droit hein, depuis longtemps, mais je n'ai même plus le droit à ce que je suis en train de cocher avec des croix. Hein, d'accord ? J'ai juste ce qui est en vert. Donc vraiment très, très forte réduction. Alors pourquoi très, très forte réduction ? Regardez maintenant en bas. Quand on faisait les croisements, c'est-à-dire les N comme données, alors qu'on voit ici, Donc, j'irai plus vite sur les parties techniques, mais là, je pense qu'il faut bien comprendre ce que je suis en train de faire. Ça, c'est les cases, si je fais les croisements, donc les N, c'est des produits. Et je transforme les produits en des sommes, puisque là, je n'ai plus qu'à sommer ce qui est en abscisse et ce qui est en ordonnée. Donc, je n'ai plus ce problème de produits quand j'augmente la dimension. Je ne fais que des sommes. Et là, je gagne énormément. Donc maintenant, regardez à l'écran, peut-être pour reprendre un peu ce que disait Fessel tout à l'heure, regardez le nombre de points bleus, c'est les données de départ. Je ne sais pas combien il y en avait ici, hein. On va dire qu'il y en avait peut-être une vingtaine ou une trentaine. D'accord ? Ensuite, au niveau des cases bivariées, j'en avais 16. Et maintenant, au niveau des données que je vais vraiment garder, les comptages, eh bien, j'en ai 8, juste ce qui est vert. Alors, il faut compter aussi comment je vais stocker la grille, hein, mais ça devient vite négligeable quand j'ai beaucoup, bien sûr, d'individus, parce que la grille n'est stockée qu'une fois. Voilà, donc vous avez en tête ce que je suis en train de faire. Donc, c'est assez osé, hein, puisque je conserve que les marginales. On appelle ça en statistique les marginales, quoi, hein. Voilà. Et maintenant, il va falloir que je retrouve les classes, y compris des classes minuscules, à partir de ces données massacrées, quoi. Hein, voilà. Donc c'est ça l'enjeu, quoi. Voilà. Alors, comme tout statisticien qui a des bons réflexes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire la vraisemblance. La vraisemblance du paramètre de modèle de mélange. Je n'ai pas changé mon modèle de mélange. Moi, je veux faire des mélanges gaussiens derrière. Hein. C'est des Kamins, si vous voulez. Et sur les données marginales, donc ici, c'est ces données-là, quoi, hein. C'est M, c'est plus N, hein, c'est M. Et là, vous avez un problème qui va se poser. Gardez en tête ça. FM, c'est-à-dire que les données marginales, donc les comptages marginaux, M, eh bien, il va falloir que je somme sur tous les croisements que je n'ai pas vus. Parce que le statisticien, quand il fait une vraisemblance de données observées, il somme sur ce qu'il n'a pas vu. Et c'est cette somme que vous voyez là, avec FM. Et c'est absolument gigantesque. Ce n'est pas du stockage mémoire, c'est des calculs. Voilà. Donc on voit qu'ici, il va se poser un problème. Alors allons-y tout doucement. Les problèmes qu'on va avoir, c'est est-ce que j'ai le droit de faire ça ? C'est-à-dire, est-ce que j'ai le droit de faire ça ? C'est-à-dire, est-ce que je ne suis pas en train de tout détruire ? C'est-à-dire, la partie identifiabilité, est-ce que je peux retrouver, en fait, l'information qu'on va regarder ? Je ne vais pas le faire de manière technique. Hein. J'insiste beaucoup sur les différentes étapes, vous compreniez comment je transforme les données, etc. Le but, ce n'est pas d'aller faire des maths en détail là, même s'il y en a dans l'exposé, je passerai dessus, je vous dirai juste, oui, on a les garanties, croyez-moi. On va regarder aussi si on peut faire des calculs. Est-ce que ce n'est pas trop complexe ? Est-ce que c'est faisable ? Pour optimiser la vraisemblance et faire des modèles de mélange au sens d'un EM ou d'un quelque chose qui ressemble à un EM ou à un Kamin, si vous voulez. Voilà. Donc, il faut que je regarde si
malgré cette réduction de données, je vais quand même pouvoir faire quelque chose de pas idiot. Alors, on y va. Alors, l'identifiabilité. Alors, je sais pas, l'identifiabilité, vous connaissez, mais c'est des questions qui sont un peu techniques, pas évidentes à montrer, et qui disent juste que, à partir des données que, données que vous avez au sens plutôt probabiliste, c'est-à-dire, c'est plutôt, c'est pas sur les données à observer, c'est plutôt, est-ce que vous aurez assez d'informations, c'est au sens théorie de l'information, est-ce que vous aurez assez d'informations pour retrouver les modèles de mélange que vous voulez, et donc les classes, hein. C'est ça, en fait, le truc. Hein. Et en fait, eh bien, ce qu'on a ici, alors je vais peut-être vous le mettre plutôt ici, voilà, parce que ce qui va nous intéresser, c'est essentiellement le cas marginal. Hein. Voilà, donc le cas marginal, eh bien, que dit le cas marginal? Alors, il n'y a pas vraiment de preuve hein, d'identifiabilité sur tous ces trucs-là, même dans le cas avec données croisées. Hein. D'accord, donc dans sa thèse, Philippot a dû même montrer, pas dans le cas uniquement marginal, qui est bien sûr l'originalité de la thèse, mais aussi dans le cas des données croisées, les N, pas les M, il a dû montrer qu'il y avait identifiabilité. Alors, sous certaines conditions, alors je vous les montre parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi quand même, hein, sans doute. Hein. Il va falloir avoir des matrices de covariance diagonale. Vous vous souvenez des E dont je parlais hein, au départ? Eh bien, on va chercher des formes comme ça. Ne vous inquiétez pas, quand vous faites des k-means, parfois vous faites pire. Vous cherchez des œufs sphériques. Souvent, hein, pas toujours. Mais souvent, c'est soit des œufs sphériques, soit des œufs, en gros. Et donc, ce n'est pas une hypothèse restrictive, en fait. Mais il nous le faut. Hein. Pour avoir l'identifiabilité, il nous le faut. Et aussi, vous avez une autre hypothèse, c'est que le nombre de cases, RD, c'est le nombre de cases, hein, nombre de cases qu'il y a sur la dimension petit d, souvenez-vous que les dimensions, c'est 1 à grand d. Hein, d'accord, petit d varie de 1 à grand d. Donc, pour chaque axe, le nombre de cases doit être supérieur au nombre maximum de classes que je vais rechercher, fois 4, moins 3. Voilà. Et là, vous avez des garanties qu'il faut pour travailler. Alors, c'est un peu pénible à démontrer, etc., mais il faut le faire, parce que sinon, on fait n'importe quoi. Hein. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous le signale. Il faut ces conditions-là pour qu'on puisse ensuite passer à l'estimation. Sinon, on risque de dire n'importe quoi. Donc là, maintenant, je passe à la partie estimation. Donc, on va faire un algorithme EM pour le modèle marginal BIM qui est proposé. Hein. Voilà. Donc ça, bon, je passe au niveau d'un EM, il y a des données, on passe par une vraisemblance complète, c'est vraiment de la technique, je pense que ce n'est pas ce qui vous intéresse le plus, mais sinon vous me dites, hein, on peut s'arrêter à tout moment. Ça, c'est le cœur de l'algorithme EM, alors vous dites, il nous dit qu'il ne va pas faire de technique, puis il fait un peu de technique, oui, c'est vrai, mais c'est juste que je veux vous faire ça, vous allez voir. Je veux juste vous montrer quelque chose, regardez un peu ici ce qui se cache, à un moment dans cet algorithme EM, eh bien, j'ai des sommes sur FM. Et FM, tout à l'heure, vous avez vu que je n'ai pas beaucoup aimé quand même. Hein. Parce que FM, c'est une combinatoire monstrueuse hein, qui se cache derrière. Hein. Donc, en fait, l'algorithme EM qui travaillerait sur les données marginales, de manière, disons, l'algorithme EM classique, hein, eh bien, ça ne marcherait pas. D'un point de vue calculatoire, cet algorithme est infaisable. Voilà. Donc, on ne peut pas maximiser la vraisemblance facilement par un algorithme lui-même. Donc, vous voyez, c'est un rebond. C'est-à-dire que là, on a dit, bon, ben, de condenser les données à fond, tel qu'on l'a fait, par les comptages marginaux, ben, on a des garanties comme quoi on peut retrouver. On peut retrouver les classes. C'est quand même déjà pas mal. Mais si je fais un algorithme lui-même classique pour retrouver les classes à partir des données marginales, eh bien, je ne peux pas, à cause de ce blocage calculatoire. Donc, on va changer la vraisemblance en ce que je vous mets ici, la vraisemblance composite marginale. Avant, c'était marginal Lakewood, là, c'est marginal composite Lakewood. D'accord ? Et je vais vous montrer ce que c'est. Donc, c'est un peu l'outil du pauvre, hein, où on remplace la vraisemblance qu'on aime bien, parce qu'elle a la bonne propriété, par une vraisemblance fabriquée un peu autrement, mais dont on va quand même pouvoir montrer qu'elle a des propriétés. Voilà. Donc, vous voyez, à chaque fois, je rebondis parce que ça pose des nouvelles questions
parce que je suis bloqué, il faut que je retrouve une piste pour en sortir. Alors, la vraisemblance composite, donc ce transparent, ne le regardez pas plus que ça, je veux juste vous dire que c'est quelque chose qui est connu, et pas spécialement pour notre cas, c'est plus général. Hein. Et une vraisemblance composite, c'est des bouts de vraisemblance qu'on voit ici. Ici, c'est le cas générique. Hein. Filippo a fait ça dans un cas générique. Ce n'est pas lui, c'est repris de la littérature. C'est des bouts, vous voyez, un produit, là, c'est des bouts de choses plus simples. L est compliqué et LD n'est pas compliqué. Hein. Et il va faire des produits de LD. Et derrière, sous certaines conditions, eh bien, on va avoir la convergence et la normalité asymptotique. Et ça, on retrouve des propriétés finalement associées au maximum de vraisemblance. On aura des vitesses de convergence moins rapides, mais c'est pour vous dire que ce n'est pas idiot encore. Hein. Ce qu'on fait, on le fait avec un minimum de garantie. Alors, voilà la proposition qui est faite hein, en termes de vraisemblance marginale. Elle est là. Et ce que vous reconnaissez, c'est qu'on a des petites choses sympas. Enfin, c'est moi qui vous dis que c'est sympa parce que je ne vous explique pas tout. Mais on a ici des LD, c'est des composantes, c'est des vraisemblances par axe. Et on va juste sommer les logs vraisemblances par axe. On va les multiplier, c'est comme avant le produit. Si vous... Sauf que là, on prend le log, c'est tout. Et ça, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Et ça, c'est une vraisemblance composite. C'est le principe général d'une vraisemblance composite appliquée au cas des données par intervalle marginal. Voilà. Alors, quand on fait ça, il faut quand même s'assurer qu'on a identifiabilité malgré l'estimation par axe. Voilà. Parce qu'il y a quand même certaines conditions pour le faire. Donc là, la vraisemblance marginale, elle est écrite. Ça donne une vraisemblance composite, elle est écrite. Mais est-ce qu'on garde les propriétés du maximum de vraisemblance globale hein? Est-ce qu'on a bien encore identifié, enfin, du modèle général qui donne la vraisemblance globale, est-ce qu'on a bien encore identifiabilité? Donc c'est ça qui se pose. Alors on perd des choses, mais qui ne sont pas si graves. En fait, pour certains paramètres, eh bien, on ne pourra pas les retrouver. Mais ce nombre de paramètres est de masse nulle. En fait, on a un petit ensemble de paramètres, mais. C'est rien par rapport à tous les paramètres possibles. Alors, ce qu'on voit ici, je ne veux pas rentrer dans le détail et vous remplir l'esprit avec plein de choses, parce qu'après, peut-être que du coup, on ne va pas retenir l'essentiel, donc ce n'est pas l'idée. Hein. Mais vous voyez ce que l'on a là. Alors, je vais peut-être le mettre comme ça, plus joli, parce que vous voyez, c'est des classes comme ça. Voilà, ça, c'est deux classes. Eh bien, ces deux classes-là, on ne pourrait pas les identifier par rapport à ces deux classes-là. Donc, si on avait ça, voilà, et ça. C'est-à-dire, ce qui est rose, là, et ce qui est orange, eh bien, si on donne ces données-là, qu'on les marginalise, l'algorithme qui est proposé, enfin, la vraisemblance, pour l'instant, on n'a pas l'algorithme, la vraisemblance composite qui est proposée, ne permettrait pas de distinguer entre les deux. On a perdu ça. Mais c'est des situations rares. Donc, si on n'a pas ça, par contre, on a bien... possibilité de reconnaître les classes et donc on aura l'identifiabilité. Donc on a quand même perdu quelque chose, on perd un peu à chaque fois, hein, quelque part. Voilà. Mais au moins on sait dire ce que l'on perd et on peut dire que ce n'est pas si grave pour la plupart des situations. Alors, où j'en suis là? Je n'ai pas encore d'algorithme. Hein. C'est-à-dire que j'ai un critère, j'ai changé mon critère parce que le précédent n'était pas conduisait à une difficulté de calcul du critère et d'optimisation. Donc là, j'ai un critère qui est plus simple, mais maintenant, il faut que je l'optimise. Alors, j'ai un algorithme qui permet de le faire, qui a l'avantage d'être simple. Alors ça, je vous passe au transparent. Je veux juste vous... Donc, fermez les yeux si ça vous ennuie, sur cette... parce qu'il y a plein de choses à ne pas voir, mais... vous voyez quand même que vous n'avez pas FM. Vous vous souvenez de ce petit FM qui m'ennuyait? Eh bien, par cet algorithme pseudo-EM qui maximise cette pseudo-vraisemblance, je n'ai plus FM. Je n'ai plus de somme impossible à faire. Cet algorithme est très simple, en fait.
d'un point de vue calculatoire. D'accord ? Donc, je n'ai plus ce problème. Voilà. Alors, c'est la fin de la technique. Je vais pouvoir passer aux expériences. Je pense que c'est peut-être ce qui va vous intéresser. Donc là, je redis, j'ai des données qui sont très, très faible quantité maintenant, donc très peu de mémoire, et j'ai un algorithme qui est très simple à mettre en œuvre. Et donc, on va regarder au niveau expérimental ce que ça donne. Alors, quelle va être notre comparaison ? Comme on est avec une contrainte de mémoire, eh bien, notre challenger principal, ça va être l'échantillonnage. Donc, si vous avez une contrainte de mémoire juste de, tant de kilobits, hein, eh bien, vous allez faire de l'échantillonnage au point de garder pas plus que ça. En fait. D'accord ? Et nous, on va faire des grilles qui impose de ne pas dépasser non plus cette contrainte. Donc, on se met au maximum de la contrainte. Et vous avez la technique proposée qui va être comparée à l'échantillonnage au sens classique du terme. Voilà, c'est ça qu'on va faire. Et on va regarder si, qui va le mieux fonctionner pour retrouver les petites classes. Alors, c'est un peu perdu d'avance, bien sûr, pour l'échantillonnage, puisque les petites classes, on ne les verra pas, quoi, en gros. Voilà. Ce qu'on peut peut-être regarder, je vais peut-être vous le mettre ici plutôt. Hein, ce qu'on a là, c'est des classes. Alors, je vais l'agrandir peut-être. Et alors, c'est des copies d'écran, on ne voit pas très, très bien. Mais en abscisse, là, vous avez. Alors, vous voyez un 50, vous voyez un 100, vous voyez un 200, vous devinez quoi. C'est la taille de la grille. Donc, soit 50 cases en. Alors, c'est en. Aussi bien. En, alors, c'est global. Hein, donc, 50, 100, 200. Et donc, là, la grille est de plus en plus fine. En ordonnée, vous avez la qualité pour retrouver la classification. Donc, est-ce qu'on retrouve les classes ? Donc, là, vous avez deux classes, hein, une petite et une grande. Et vous avez une toute petite classe. Et alors, qu'est-ce qu'on voit ? Il y a trois choses à voir. Alors, vous avez des pointillés, vous avez une ligne continue noire et vous avez également du rouge, d'accord ? Alors, les pointillés sont… Alors la qualité de la partition, là, qui est en ordonnée, quand on est à 1, c'est le critère ARI, c'est qu'on retrouve tout, en fait, hein, on retrouve bien les classes. Eh bien, quand vous avez… quand vous êtes à 1, donc vous retrouvez tout. Donc, là, les pointillés, c'est quoi ? C'est… Si vous aviez assez de ressources matérielles en termes de mémoire et que vous faisiez un algorithme EM classique sur toutes les données, ce qu'on n'a pas le droit de faire, hein, mais si on le faisait, on retrouverait très très bien les classes. D'accord ? C'est le pointillé. Maintenant, on va comparer le noir continu qui est la méthode que l'on propose, qui est frugale, hein, au sens que j'ai dit, hein, voilà, avec l'algorithme qui va bien derrière, etc., tout ce que j'ai décrit. Et le rouge, c'est la méthode d'échantillonnage qui respecte les contraintes mémoire. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la ligne noire continue, elle fait aussi bien, parce qu'elle est superposée, là, hein, c'est pour ça qu'on ne voit pas très bien, elle est superposée avec le fait d'avoir gardé toutes les données. Si on pouvait garder toutes les données, on ferait pareil, en fait, qu'avec notre méthode hyper, hyper, hyper frugale. Et par contre, si vous faites de l'échantillonnage, qui est la technique classique de tout le monde, hein, eh bien, l'échantillonnage en bas, vous ne trouvez pas grand-chose. Hein, puisque il y a une grosse classe, il y a une toute petite classe. Et donc, l'échantillonnage, il n'y arrive pas. Quoi, hein, puisque même quand on garde un peu plus de données qui est là, puisqu'on a, on a un peu moins de contraintes mémoire, hein, puisqu'on a une grille de 200, donc on dit à l'échantillonnage, tu peux garder un peu plus de données aussi, ce n'est pas suffisant. Quoi. Et par contre, si on a une classe un peu moins petite, on voit que le rouge commence à s'améliorer. Hein. Voilà. La classe est un peu moins petite. Et puis, si la classe elle est encore moins petite, la deuxième classe, hein, donc moins imbalance, ça commence à mieux marcher. Quoi. Hein. Voilà.
Mais ça commence, alors que nous, on était déjà bien avant, quoi. Donc là, on voit la différence énorme qui existe entre faire l'échantillonnage ou faire la compression à fond comme on fait, quoi. On perd pas le même type d'information. On ne perd pas l'information sur les petites classes autant qu'elle est complètement perdue, hein, dans l'échantillonnage. Alors ça, je passe aussi, c'est sur l'aspect calculatoire. Je vais juste terminer sur des exemples données réels, hein, et puis bien vous laisser du temps pour des questions si vous en avez, parce que peut-être que je vais être un peu vite, ou je ne sais pas, et puis peut-être que des besoins de précision ou à quoi ça peut servir aussi dans des données réelles que vous avez, hein, éventuellement. Oui, effectivement, Christophe, oui, on laissera le petit quart d'heure pour les questions. Oui. Okay. D'accord. Alors, ça, c'est un exemple sur des images. Enfin, j'ai plusieurs exemples sur des images et d'autres qui ne sont pas sur les images que vous verrez aussi après. Et je vais vous décrire ça en détail, sachant que les transparents suivants reprendront aussi le même canevas. Donc, c'est intéressant que je vous décrive en détail là, parce qu'on n'a pas besoin de le refaire après. Alors, c'est l'image A, en haut à gauche, hein, c'est une image de comète, hein, donc pris par un télescope ou un satellite, je ne sais pas. Et ce que l'on recherche, c'est trois classes, dont la toute petite classe au milieu, qui est la classe de comète. Il y a le halo autour, puis après, il y a l'espace intersidéral. Donc, elle est toute petite, la comète, si vous regardez... Les étoiles la nuit, vous verrez que globalement c'est noir, quoi. Et ce qu'on cherche, c'est petit, 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 petit. D'accord ? Donc c'est ce qui se passe là. Maintenant, regardez à droite, en haut, donc la figure petit b. Je fais la méthode marginal bin, donc celle que j'ai décrite au fur et à mesure de l'exposé, où on prend que 400 cases. Alors, je vais peut-être vous donner la taille quand même de la figure A, parce que ça vous permettra d'avoir en tête, parce que c'est intéressant, vu qu'on veut réduire les... Alors, comète, on a 1 million de pixels, hein, d'accord ? Un peu plus d'un million de pixels, hein, la figure A, d'accord ? Et B, maintenant la figure B, là, vous voyez beaucoup de roses, là, en haut à droite, eh bien, R vaut 400. Alors, R vaut 400, ça veut dire qu'on a que de l'ordre de 1000 données, hein, d'accord ? Parce que j'ai une grille de 400 en ligne, 400 en colonne, et donc je fais 400 plus 400, j'ai l'ordre de 1000 ou 1500 données, quoi, hein, plutôt qu'un million. Hein, d'accord ? Les comptages en ligne et en colonne. Et je cherche trois classes. Voilà les trois classes qui sont obtenues. Donc là, je suis ici, hein, d'accord ? Les trois classes obtenues par segmentation avec le EM particulier sur vraisemblance composite. Regardons maintenant en bas pour comparer avec l'échantillonnage. Vous avez en bas à gauche la figure C, en bas à droite la figure D. Hein. Alors vous dites qu'il n'y a pas de différence au C et D, mais je vais quand même vous expliquer, parce que vous verrez des différences dans les transparents d'après. En bas à droite, petit D, donc, c'est l'échantillonnage qui respecte les contraintes mémoire de notre méthode. Hein. C'est-à-dire qu'on a l'échantillonnage, il n'a pas le droit à plus de mémoire que nous. Hein. D'accord, hein, c'est-à-dire qu'au niveau de l'ordinateur, c'est la même mémoire. Hein. Eh bien, voici ce qu'on retrouve. Bon, on a un peu de mal à voir la comète et compagnie, là, je pense. Hein. Mais c'est la meilleure des solutions, parce que l'échantillonnage, on a un peu triché en faveur de l'échantillonnage. On a fait plein d'échantillons. On n'a pas le droit, hein, parce que quand vous faites deux échantillons, c'est deux fois la mémoire. Hein. Mais on a fait quand même pour voir ce que ça donnait. Donc, on a fait plein d'échantillonnages, puis on a regardé celui qui donnait les meilleurs résultats en termes de détection de comètes. Bon, ben, la meilleure, c'est D. Ce n'est pas terrible. Hein. Et puis, la moins bonne, c'est C. Bon, ça n'améliore rien de passer de C à D, ici. Voilà. Alors, je vous montre plusieurs exemples. Hein, donc, là, vous avez compris que ce sera le même scénario. Hein, sauf que là, je suis dans un cas biologique sur des cellules. Donc, vous avez de nouveau l'image initiale qui est en petit a. L'image avec notre méthode qui est petit b en haut à droite. Alors là, j'ai très peu d'informations conservées, hein, parce que j'ai que 20 cases en ligne, 20 cases en colonne. Hein. J'ai gardé que de l'ordre de peut-être 60 ou 70 valeurs, hein, par rapport à une image. Alors si je reviens au départ, pour celle, j'en avais 100 000. Et là, j'en garde que peut-être 60-70. Hein.
Et pourtant, je retrouve, vous voyez, les quatre classes, dont des toutes petites. Alors, je ne sais pas que sont ces défauts dans la cellule. Ça pourrait être, pourquoi pas, des cellules cancéreuses, des choses comme ça. Hein. Mais excuse-moi, Christophe, sur cette image-là, les tout petits points rouges qui sont à l'intérieur du bleu sont la même classe que le rouge qui est à l'extérieur ? Oui, je pense que c'est la même couleur et que oui, tout à fait. Donc là, c'est certainement des problèmes de classification parce qu'on n'a pas fait de contraintes spatiales. Voilà. Parce qu'il existe des algorithmes EM, on pourra adapter notre algorithme EM modifié avec des contraintes spatiales pour éviter qu'il y ait des classes qui soient trop éloignées les unes des autres. Ça se fait, par exemple, il y a des Nesbo EM, qui est un algorithme EM de voisinage, tu vois. Mais ça ne change pas le principe, en fait. Et en bas, vous avez, en bas à droite, hein, figure petit d, vous avez fait l'échantillonnage, de nouveau avec très peu de données, hein, puisqu'on respecte les contraintes mémoire, ça c'est la meilleure solution d'échantillonnage. Et en bas à gauche, c'est l'échantillonnage qui a le moins bien marché, sachant que quand vous faites un échantillonnage, vous en faites un, quoi. Hein. C'est-à-dire que vous ne savez pas si elle est tombée sur C, sur D ou quoi, hein, d'accord. Donc, ça illustre de nouveau qu'on garde quand même de l'information. C'est assez marrant, c'est une autre façon, non pas d'échantillonner, mais de réduire, en fait. L'échantillonnage, c'est ce qu'on fait le plus classiquement du monde, hein. Mais ce n'est peut-être pas le mieux pour le clustering. Parce que le clustering, quand on recherche des classes, on risque de perdre ces informations des petites classes. Voilà, on voit ça, on voit vraiment ça. Il n'y a pas besoin de pousser loin pour voir que voilà, l'échantillonnage n'est pas adapté, quoi. C'est pas la magie de notre méthode, surtout l'échantillonnage n'est pas adapté. Bon, là, c'est la même chose avec un autre exemple biologique. Encore un autre exemple biologique, là, parce que bon, on voulait voir ce que ça donnait en reproduisant encore. Hein. Et là, ma dernière expérience sur données réelles, la fraude à la carte bancaire, hein, donc, parce que j'avais donné cet exemple au départ, c'est ce qu'on voit à droite, hein, d'accord, ici. Donc là, on a une vérité terrain. On avait deux classes, donc fraude ou pas fraude. Hein. Vous reconnaissez l'ARI ici qui est en ordonnée, qui représente la qualité de repérage de qui est fraude ou pas fraude. Alors, ça ne marche pas très bien, quelle que soit la méthode. Hein. On va juste regarder de manière, parce qu'en fait, je pense que les mélanges de sciences ne sont pas adaptés ici. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder les méthodes entre elles, quoi, hein, puisque là, ce n'est peut-être pas ce genre de méthode qu'il faudrait utiliser pour que ça marche bien en général, quoi. Et ce que l'on voit, c'est que ici, c'est la méthode, on va dire, quand on garde toutes les données. Là, c'est notre méthode. Je ne me trompe pas, je regarde là si c'est ça. Oui, c'est bien ça. Et ça, c'est la méthode échantillonnage. Voilà. Et donc, ce que l'on voit, c'est que la méthode échantillonnage, en moyenne, on est quand même moins bon, et qu'aussi, il y a une grande variance, parce que quand on tire un échantillon, on n'est pas, bah, c'est un échantillon, quoi. Si on recommence avec un autre échantillon, peut-être qu'on n'aura pas les mêmes valeurs. Et peut-être que tantôt on verra un bout de classe, tantôt on ne le verra pas, on prend un risque assez important. Alors que nous, on n'a pas ça, hein, puisqu'on ne fait que compter, et on ne détruit pas l'information de classe autant, en tous les cas. Voilà. Et puis après, c'est la même chose à gauche, mais sur les astéroïdes, mais bon, on pourrait faire le même commentaire, mais copier-coller, quasi. Voilà, je conclue. J'ai déjà fait des conclusions intermédiaires, hein, mais on a des contraintes de mémoire et on veut que ce soit donc on veut retrouver des toutes petites classes et on veut également avoir un algorithme qui soit facile à utiliser, hein, pas de problème calculatoire, et faire de l'échantillonnage, ça marche pas très bien. Et alors qu'il y a d'autres façons de compresser l'information. Donc nous, on a fait de manière marginale, mais on pourrait aussi imaginer autrement, ce que je vais vous montrer ici, c'est mon tout dernier transparent en fait, on pourrait faire, pourquoi pas, du marginal plus des lignes directrices intermédiaires. Je ne sais pas si vous voyez des lignes, par exemple, diagonales. Et donc, on aurait encore une ligne de plus, hein, plutôt que l'horizontale et la verticale, on pourrait avoir la diagonale, et on aurait un peu d'informations croisées. Et donc, on pourrait même retrouver des classes qui ne soient pas diagonales.
Faut avoir les propriétés théoriques et tout qui vont bien derrière, donc là, le travail qui n'est pas évident, mais l'idée est là quand même, hein. C'est vraiment ça, garder un peu d'informations croisées. Et donc, tout en ayant très peu d'informations conservées, on pourrait faire chercher des classes de manière un peu plus complexe, enfin des classes plus complexes. Alors, par contre, qu'est-ce qu'on perd? On va avoir des convergences un peu plus lentes, hein, parce qu'on a tellement perdu d'informations que les algorithmes de type EM vont converger assez lentement. Pas en termes de taille d'échantillon, ce sont des échantillons énormes, donc ce n'est pas le problème. C'est surtout qu'il faudra quand même un certain nombre d'itérations avant d'arriver à la fin, parce que ça va moins vite qu'utiliser les données brutes, en fait. Hein. C'est des principes d'information manquante sur les EM, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu. Et des choses qu'on n'a pas faites, parce que je pense que c'est des questions qu'on peut poser naturellement, c'est et si on cherche beaucoup de classes? Parce que quand on a des gros échantillons, moi j'ai dit, ben, gros échantillon, on va chercher des petites classes. Oui, mais peut-être qu'il y en a beaucoup aussi. Et là, ça pose des difficultés d'initialisation des algorithmes, maxima locaux, etc. On n'a pas adressé ça. Hein. Nous, vous voyez, on s'est limité à 4 classes par moment. On n'a pas été chercher 100 classes dans un échantillon de taille 10 milliards. Quoi. Et ça peut faire sens hein, de le faire. Voilà. Là, on n'en est pas là. Hein. Et puis, comment choisir la grille? Alors, on a essayé de changer la grille, ça ne changeait pas grand-chose dans pas mal de situations. Hein. On a encore regardé, mais on n'a pas de méthode définitive là-dessus. Hein. Et pour le choix du nombre de classes, vous voyez que je n'en ai pas parlé, parce qu'on n'a pas de critère de choix du nombre de classes, parce que si on voulait faire un critère de type choix de modèle BIC, que je n'ai pas du tout décrit, donc désolé, je n'ai pas décrit ce qu'était BIC, ce n'était pas l'exposé, mais en fait, ce n'est pas faisable, parce que je ne peux pas calculer la vraisemblance. Alors, Philippot a regardé des critères de vraisemblance composite pénalisée, mais c'est très préliminaire. Donc, voilà, on va dire que ce n'était pas dans l'exposé, quoi. Voilà, donc désolé pour les problèmes techniques de départ qui nous ont pas mal ralenti, je pense, hein, et puis moi qui ai été certainement lent. Merci. Merci beaucoup, Christophe, pour cet exposé très, très riche et très intéressant. On peut passer, je pense, tout de suite aux questions, s'il y en a qui ont des questions. Oui, je vois Milad, je t'en prie. Oui, merci beaucoup pour la présentation, Christophe. Du coup, j'avais juste deux questions. À un moment donné, vous parliez de complete likelihood. Je voulais savoir si vous avez utilisé du coup pour l'estimation aussi l'algorithme complete OM, CEM ou plus c'était OM de base. Alors là, c'était EM de base qui a été utilisé. Hein. La complete likelihood, elle était là parce que dans le EM, à un moment, on a besoin de la complete likelihood. Mais si ta question c'était est-ce que ça aurait changé les difficultés d'estimation? Enfin, du calculatoire, hein, d'utiliser un algorithme classification EM, peut-être que ça pouvait être ça, la deuxième partie de la question. Oui. Oui. Alors, ça aurait pas changé les choses, parce que tu aurais retrouvé ce FM à l'intérieur de la complete likelihood, donc, enfin, dans les équations du CEM. Donc, tu aurais eu encore ce problème, en fait. D'accord. Patrice. Et deuxième partie. Vas-y, Mélade, vas-y. C'était juste le facteur d'accélération du coup à la fin par rapport à EM. Du coup, c'était juste. Oui, alors on a accéléré. Oui, alors on n'a pas accéléré, oui. On n'a rien accéléré, on a plutôt beaucoup ralenti. On n'a pas quantifié, parce qu'on n'a pas réussi à le quantifier, c'était peut-être pas non plus. Ça a pris déjà pas mal de temps de faire toute la partie que je vous ai montrée. Disons que si on cherche des classes, alors c'est pas juste une grosse classe, c'est une toute petite classe, c'est comment sont-elles séparées, sont-elles proches ou pas? Si elles sont assez proches, eh bien on va avoir beaucoup d'itérations à faire pour les retrouver, beaucoup plus que si on faisait un EM à partir des données brutes. EM sur les données brutes qu'on ne peut pas faire. Quoi. C'est en ce sens-là. En fait. Voilà. Parce qu'il faut, quelque part, il faut avoir en tête cette grille. Cette grille, elle est assez grossière. Et donc, on ne découvre les classes
que parce qu'il y a des petites différences de comptage dans la grille. Et donc, ces différences de comptage, elles sont de moins en moins visibles quand les classes sont proches. Mais par contre, on le verra, hein, parce qu'on a l'identifiabilité. Hein. Mais par contre, on va le payer en vitesse de convergence. Je n'ai pas les taux, hein, je n'ai pas les taux. Mais je me doute que c'est des taux qui dépendent énormément du nombre de données manquantes, et on perd énormément de données manquantes. Je ne m'attends pas à des très bons résultats à ce niveau-là. Bien. Je vois que Patrice, il lève la main. Si je trompe. Oui, je voulais juste poser la question. Les expérimentations présentées, là, elles étaient toutes en 2D. Il y a des possibilités d'étendre à des dimensions supérieures, j'imagine. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est juste pour l'illustration ou tu as fait aussi des expérimentations en dimensions supérieures? Oui. En fait, les expériences aux données simulées, il y a quelques données réelles aussi, là, à part les images étant en 2D, c'était en dimension 3, voire 4. Et je ne crois pas que Philippot soit allé plus loin en dimension. Il n'y a pas de problème technique pour aller en dimension 10 ou 20, comme on ferait sur des données réelles relativement standard. Par contre, en grande dimension, je pense que déjà les méthodes EM classiques, elles ne passent plus, donc il faudrait utiliser des méthodes plus liées à la grande dimension. Et nous, pareil, on n'échappe pas à ça. Il faudrait adapter notre méthode à des modèles de mélange spécifiques à la grande dimension. Mais sans problème, tu peux faire ça pour tout ce que tu peux faire avec du EM classique. D'accord. Tu peux faire pareil là. Moi, j'avais une petite question, Christophe, pour cet aspect de marginal. Pour revenir au clustering Z des données d'origine, c'est direct ou... Oui, c'est direct. Tu n'as pas de difficulté parce que tu le vois dans ton algorithme à un endroit. Parce que tu te sers, du coup, j'imagine, des coordonnées c'est les coordonnées de la grille qui t'aident. Parce qu'au moment où tu passes du produit à la somme, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut se perdre au niveau des aides, non ? Non. Parce qu'en fait, toi, tu as ton petit chapeau à la fin. Oui. Mais donc, le petit chapeau, il est sur les variables marginales qui sont là. Si tu étais à 16 cases, le petit chapeau, il est au niveau des variables, des observations qui ne sont que d'un nombre de 8, il me semble. Alors là, je ne l'ai pas. Mais non, ça ne change rien en fait, parce que d'accord. C'est le même modèle de mélange. C'est-à-dire qu'on a changé les données. On n'a pas changé le modèle. C'est-à-dire okay. que, voilà. Donc, une fois que tu as ton petit chapeau, tu fais ce que tu fais d'habitude, en fait. D'accord. Donc, c'était dans le slide d'après, j'avais là où, en fait. Je dois l'avoir. Oui, c'est celui-là. Non, celui, voilà, celui qui tu. Je ne sais pas. Non, c'est. Celui d'avant, un peu. Oui, c'est ici. Oui, oh, pardon. Non. Je crois que c'est dans le problème, parce qu'on le précise bien, justement. J'étais. Ouais. Vite, hein, mais on va le voir quelque part. Voilà, tu vois, final, qui est en bas, là. Hein, donc pour tout le monde, je le mets là. Eh bien, on voit qu'on n'a plus qu'à faire. Toi, c'est le classique. Hein. Il n'y a plus de grille qui joue à la fin. Ouais. N'importe quel point qui arrive, tu peux lui dire coucou, je te calcule ta probabilité conditionnelle. Oui. Et l'autre question que j'avais sur la position du problème de départ, là tu n'as aucun besoin d'accéder aux XI eux-mêmes, en fait. Est-ce que ça, c'était une hypothèse dès le départ de l'étude, ou ça, c'est juste pour des considérations, on va dire, de contraintes mémoire? Alors, donc, bonne question. D'habitude, quand on fait des bin data, c'est que les gens n'ont pas accès aux données de départ. Souvent, c'est présenté comme ça, quoi. Nous, c'est différent. Nous, on massacre les données, c'est-à-dire que les X, on pourrait les avoir si on avait assez de mémoire, et on va les réduire volontairement. C'est nous qui faisons le travail de réduction. D'accord. Donc, on considère que là, j'imagine, derrière, ça peut aussi servir pour des applications de type données privées. C'est typiquement, je pense, la fraude à la carte bancaire, des choses comme ça. Ça peut servir aussi. Alors oui, c'est vrai que c'est une bonne remarque. Ça peut aussi servir pour la confidentialité de données, puisque quand tu as les données binées, tu ne pourras jamais revenir aux données de départ. Oui.
Tu as mentionné aussi à un certain moment que ça peut clairement rentrer dans le cadre d'applications de type détection d'anomalies. Il y a des choses qui se font à systémique sur la détection d'anomalies à partir de typiquement des séries temporelles. Et est-ce que tu penses que c'est adaptable, c'est applicable directement ou c'est lorsqu'on observe des données temporelles et puis on cherche à détecter des anomalies, est-ce que... Alors, c'est marrant parce que personne ne croit qu'on s'est entendu avant, Fessel, parce que ce qu'a fait Philippot à la fin de sa thèse, oui. Il s'est dit, moi, j'aimerais bien appliquer ces aspects plutôt théoriques qu'il a fait, parce qu'il y a quand même pas mal de théories derrière, au niveau des consistances, etc., sur des données réelles, mais de la vraie vie. Hein. Et il est parti dans une start-up pendant quelques mois, qui travaille sur de la détection de... Enfin, c'est de la maintenance prédictive, et où ils ont des capteurs qui donnent des séries temporelles à gogo. Oui. C'est vraiment là-dessus qu'ils travaillent tout le temps. Et donc, les séries temporelles, on se retrouve dans des usines, où il y a des machines qui sont équipées de ces capteurs et qui sortent des séries temporelles de folie, c'est-à-dire avec... vraiment trop de données par rapport à ce que l'on a besoin concernant, je dirais, la détection de, enfin, la prévision de panne, quoi. C'est-à-dire, tu as des machines qui sont à la, au système de secondes, des choses comme ça, ça te fait des quand ça leur remplit les disques durs. Et donc, Faisal est arrivé là-dedans, il s'est dit, ça, à quoi je vais pouvoir servir dans cette start-up, mais au moins, je vais m'attaquer à des données réelles. Et puis, il a... En très peu de discussions, ils se sont dit, mais attends, Fessel, pas Fessel, pardon. Philippot, oui. Nous, on a des problèmes, en fait, de séries temporelles qui sont énormes. Voilà. Et donc, il a fait exactement sa technique sur les séries temporelles, voilà, appliquées en direct. D'accord. Donc, voilà, donc c'est assez marrant parce qu'on ne s'attendait pas à ça, quoi. On ne pensait pas partir sur les séries temporelles de cette société au départ. Et en fait, c'était là qu'était leur problème. C'était cette quantité de données qui les ennuie, en fait, hein, en termes de stockage. Et puis, ça ne sert à rien. Ok, très bien, merci. D'autres questions? Vous pouvez lever la main ou intervenir directement. Peut-être partager l'écran. J'avais noté une autre petite question, mais j'espère que je n'ai pas été trop technique. C'était pour faire un petit peu les deux quand même. Je pense que derrière, c'est évident de faire des preuves avec ça. Oui, je pense que c'était assez haut niveau. Il n'y avait pas trop de technique, non, ça. Mais là, j'ai trouvé ça impressionnant comparé aux méthodes d'échantillonnage. Par exemple, sur l'exemple de l'image satellitaire que tu as montré, dans les graphes, dans les images CED, ils ont complètement raté la cible recherchée. Donc c'est... Oui, et ce qui est normal, hein, parce que derrière, quand tu échantillonnes, si tu échantillonnes 1000 points sur 1 milliard de points, tu te doutes bien que si tu as une petite classe d'un millionième, tu la verras jamais. Oui. Après, en lien avec une question qu'a soulevée Patrice, je pense que si on suppose qu'il y avait une contrainte spatiale qui aurait été intégrée, je ne pense pas que ça aurait aidé tant que ça dans l'une ou dans l'autre des approches. Je pense. Ah non, pas du tout. Les deux approches auraient utilisé la contrainte spatiale, hein, mais on aurait vu. L'échantillon, il n'y a pas plus d'informations tellement, enfin, au niveau classe, c'est au niveau spatial, mais l'échantillonnage serait resté complètement dans les choux, hein, ça c'est sûr. Et donc, j'ai une petite dernière question, et si on a d'autres, je peux toujours prendre, en attendant. Là, vers la fin, tu as dit que quand on a un gros volume de données, on peut effectivement dire qu'on peut y avoir plus d'informations au sens nombre de clusters. Et là, actuellement, dans ce qui a été fait, ça adresse plus un nombre de classes relativement petit de ce que j'ai compris. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de problème théorique pour le faire. Parce qu'il n'y a rien de nouveau. Hein, il suffit de lancer l'algorithme de Philippot sur 100 classes. Sauf que
même dans le contenu des données brutes, lancé sur un algorithme EM sur 100 classes, un, il y a tous les maxima locaux, et deux, il y a l'interprétation des classes. Donc, pour un praticien, lui donner les 100 classes, ben, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va les mettre à la poubelle. Oui. Parce qu'il ne saura rien en faire, il faut pouvoir les interpréter. Donc, là, on s'est focalisé sur quelques grosses classes, quelques toutes petites classes microscopiques, où il y a l'intérêt. Si on avait beaucoup de classes, pour moi, on passe à d'autres difficultés qui sont hyper intéressantes, mais qui demandent une vraie suite, quoi. C'est-à-dire, c'est... Là, ce sera à l'échelle sur tous les aspects et en termes de nombre d'individus et de nombre de classes. Alors, on peut garder le nombre de... La compression marche encore, puisque pour avoir l'identifiabilité, on a une relation entre le nombre de points dans la grille et le nombre de classes. Et donc, on sait qu'on peut chercher tant de classes, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Le problème est plutôt un au niveau calculatoire, lancer les algorithmes EM ou EM un peu, disons, changé, qui est, c'est sur la résonance composite, le EM composite de Philippot, ben, on se doute qu'il ne va pas très bien marcher parce que le problème calculatoire, au sens maximal locaux. Toi, c'est juste ça, même un EM classique sur données brutes, toi, ça ne marcherait pas super bien si on demande beaucoup, beaucoup de classes. Et puis ensuite, il ne s'agit pas de fournir les classes uniquement, il faut pouvoir fournir un ordre de présentation aux praticiens pour l'aider à interpréter. Voilà. Et ça demande une réflexion, finalement, au début. Je crois qu'on t'a perdu. Voilà, parce que sinon, la technique de changeatoire est d'ordre interprétation. Non, je suis là. Ok, super. Ok, très bien. Ben, écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Si on n'a pas, eh bien, on va peut-être conclure avec ça. Ben, merci encore, Christophe, pour cette excellente présentation. Et puis, voilà, ça m'a appris personnellement beaucoup de choses. Et on voit que adresser des données à l'échelle, c'est à l'ordre du jour scientifique. Oui, je pense que dire. Voilà. Je pense que c'est ça qu'il faut garder en fait. Oui. Oui. Et qu'on n'a pas toujours besoin d'utiliser des ordinateurs monstrueux. Oui, c'est ça. Oui, oui. C'est... Parce que là, j'imagine, j'ai zappé la question, mais là, en pratique, ça n'a pas fait appel forcément du GPU, ou j'imagine que c'est la machine de l'étudiant. Ah. Ben oui, c'est ça, parce que regarde, on se retrouve avec une centaine de données, quoi. Oui, oui, oui. Un million au départ. Très, très intéressant. Ben, merci encore. Et puis voilà, je te souhaite un excellent après-midi et je souhaite à tous un excellent après-midi. Et puis à bientôt dans des séminaires. Et j'envoie les transparents comme ça si certains veulent. On mettra ça en ligne. Merci encore pour l'invitation et votre attention. Avec plaisir. Bonne fête de fin d'année. À toi.